Bonjour à tous, c'est Vince. Bon bah aujourd'hui je vous retrouve une nouvelle fois sur mon émulateur pour vous faire découvrir une grosse découverte. Certains se demanderont ce que c'est et me diront que je suis aliéné, fou, barjo, trouvez-moi tous les noms que vous voulez. Car ce matin, c'est le cas. En me baladant sur le site emucation.com, donc qui est mon site de téléchargement de ROM pour mon émulateur, j'ai fait donc cette fameuse découverte. Car en effet, après nous avoir pondu la bouse mondiale, les Schtroumpfs en 94, Infogram, 2 ans plus tard, a décidé d'en remettre une couche en nous sortant Vous ne rêvez pas. Les Schtroumpfs 2, ouais, qui est aussi immaniable que le premier. Et aussi mal foutu que le premier. Alors là, je vous laisse découvrir un peu l'histoire. Et là, oui, grosse nouveauté, vous avez les deux personnages, Poufette et son compagnon. Qui voyage autour du monde. Wow. Ah, ça a l'air d'être un mélange de Fantasia et de Schtroumpf. Donc ça va donner un truc de merde. Enfin, je crois. Parce que je le découvre en même temps que vous. Ils ont croisé clochette pour les bruitages. Alors voilà, les options sont aussi rudimentaires que pour le premier. Donc on y va. Alors on va baisser pour le mode. Oula, ça y est, je bug aussi moi. Donc il y en a qui vont se marrer et je sens que je vais m'énerver puisque c'est un jeu des Schtroumpfs. Ah, apparemment, on est obligé d'appuyer à droite ou à gauche pour changer. C'est nouveau, chez Infogram, on va pas en haut et à droite, en haut et en bas. Ça y est, je bug aussi, moi. On va à gauche et à droite pour changer le mode de difficulté. Mais bien sûr, et la marmotte aimait le chocolat dans papier l'alu. Et la musique, je sais pas si vous venez d'entendre, mais on dirait un disque rayé. Donc on va épargner le supplice. Donc je crois qu'on va choisir la poufette. Nous sommes en Amérique du Sud, mais bien sûr. Abracadage Schtroumpf, si tu veux. Il se passe quoi? Faut que j'appuie, non? Ah ouais. Oh, attention, grosse magie. Poufette est apparue sur l'arbre. Et non sur le sol. Alors attends, un papillon qu'il faut que je nique. Qui n'était pas de lumière. Petite dédicace à Cindy Sanders, si elle nous regarde. Je rigole. On a bien le droit de faire une petite plaisanterie.
Hein, ça arrive. Alors, je suppose que je peux pas faire quelque chose, donc si je retourne au début, je suis coincé, donc on va essayer de bouger en haut ou en bas, voir ce qui se passe. Oh! Super, les arbres servent d'ascenseur. Apparemment, ceux qui ont un trou permettent de monter ou descendre. Écoutez-moi les bruitages. C'est digne d'un George Lucas ou d'un Luc Besson. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer de niquer le piaf. Hop. J'ai dû attraper un petit bout du talisman que la pouf essayait de chercher tout à l'heure. Alors là, on va essayer de reniquer le piaf quand il arrive. Et on va essayer de faire de même. Ah bah non, pas là d'ailleurs, elle veut pas. Je fais comment? Peut-être que j'essaye de la niquer, cette espèce d'abeille de merde là. Pas possible. Bon, essayons de ne pas faire la blonde. Attention. Je rêve où ça m'a ramené au début. Mais je me demande ce qu'ils ont fumé chez Infogrames, hein. C'est pas possible. Attendez, je vais essayer de choper le bout du talisman ou quelque chose. Merde. Je suis coincé, c'est la meilleure, ouais. Je suis coincé, c'est super, ouais. Donc, je vous retrouve quand j'ai trouvé le moyen de me décoincer. À tout de suite !